Salut à tous. Ça fait un moment hein, qu'on s'est pas revu hein, pour un petit live. Donc ici, attendez que je règle un peu le son, voir un peu. Voilà, tout est bon, tout est ok. On peut y aller. Voilà, on a un peu remanié, on va dire, l'équipe au complet, en espérant que cela va rendre le tout cohérent, on va dire, nous permettre on va dire, de briller, hein, tant bien que mal. Alors, on est parti pour un petit moment ensemble, pour quelques combats. Essayons d'être productifs. Donc voilà. Allons-y, hein. On va pas trop tarder. On va pas vous faire attendre trop longtemps. Et hop, place à l'action. Si je veux bien valider et pas faire n'importe quoi. Oh là là, la fatigue qui me fait faire n'importe quoi justement. Ok, bon, allez, c'est parti pour le VGC. Vous allez voir hein, pas mal de changements. Non. Allez, on va voir un peu ce qu'il y a derrière. Ah, ok, d'accord. On est 4 millième. Ça fait plaisir. Voici notre équipe. Voilà. Il y a du Pikachu dedans. Il y a du Venusaur. Il y a de l'Incineroar. C'est-à-dire tout simplement l'évolution de Fleur. Attendez, comment il s'appelle encore? Incineroar. J'ai tellement l'habitude de le voir en anglais que j'en oublie même de l'appeler en français. Félinferno, voilà, c'est ça. Alors attention, hein, ici, on va regarder vraiment attentivement l'équipe en face. Ouais. Ça part sur Excuviation. Hein. Ça part sur Excuviation. Excuviation, c'est une team disto. Excuviation, team disto? Ouais, c'est pas logique ça. Oh, yo. Ouais, bon. Ici, j'ai bien envie de partir sur oui, messire. Mais il n'y a pas de farceur en face, en fait. Il n'y a pas de farceur. Ici, le lead, ça doit être. Ouais. Si je pars sur Pikachu. Ouais, attendez. On va faire ça. On va partir sur Pikachu et. Non. Non, non, non. On va faire ceci. On va prendre. Si je prends Charthor. Ouais, je vais prendre Charthor et Florizarre en lead. Et derrière, on va prendre Kiss et Félinferno. Ouais, ça va être chaud quand même. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est bien joué? Non, écoutez, on a quand même pas mal de Pokémon électriques. Faisons les choses dans l'ordre. On va partir sur Kiss, sur Whim. On va prendre ici et derrière Félinferno. Je pense que c'est un choix un peu plus logique. Place à l'action. Attention, Pikachu aura un rôle très très important à jouer. Donc voilà, on va voir un petit peu s'il saura répondre à nos attentes. On joue contre le 14 millième. Ça ne veut strictement rien dire, hein. La méta nous permet de gagner et de perdre contre le joueur le moins bien classé possible. Attention, un garde-ami. Ici, évidemment, il faudra se débarrasser du. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Hein. Donc, on peut partir sur du. Par ici. Derrière, ouais, Pikachu peut se placer, hein, Foudre G-Max. On va s'occuper de garde-ami. Ou alors, on peut s'occuper. Ouais, lui, il va jamais Dynamaxer. Pas que je me loupe. Hein. Ouais, on va aller le chercher. C'est lui qui permet de résister. Hein. Il permet à ses alliés avec Gardami de pouvoir tenir face aux attaques, aux assauts diverses. Si n'oublions pas hein, qu'il y a contestation hein, sur le Pokémon Ténèbres et Psy, hein, je pense. Ah, j'oublie son nom, hein, tellement que je le joue plus trop souvent. Vous me le rappellerez certainement, attention. Par ici, qui est lancé, ouais, c'est ce que je voulais, ça tombe bien. Ça tombe très bien même. Alors, on va paralyser tout ça. Est-ce que ça suffira? Je ne pense pas. Faut quand même
faut quand même reconnaître qu'il est très puissant, hein, le brave Pokémon en face. Double paralysie des familles. Est-ce que ce dernier va pouvoir frapper? Ouais, il remet quand même. Ouais, il met quand même la distorsion, c'est très bien joué. Attention Pikachu ici, qui sera plus lent, hein, que la plupart des Pokémon adverses. On peut partir sur éclat magique. Ouais, on va faire ça. Il pourrait très bien ne pas attaquer. Et derrière, on peut. Attendez. Ouais, on va pas mettre la pluie pour lui. Donc éclat magique ici. Il a Phytomax peut-être. Pour finir. Ouais, on va faire ça. Alors, il pourrait très bien ne pas attaquer, hein, donc c'est tout à fait possible, mais bon, on va pas trop jouer sur le axe. Voilà, le switch qui se fait. On veut préserver son Mélofée. Ici derrière, Phytomax, hein, était prévisible. Provoque. Ok, ça tombe bien. On comptait pas faire par ici. Et donc c'est parti pour éclat magique. Ouais, le Pokémon adverse qui a ce qu'il faut, évidemment. La disto étant posée, évidemment, Rhinastock. Oh, pas de critique, malheureusement. Phytomax, hein, qui était préparé pour justement le brave Pokémon adverse. Rhinastock qui passe forcément. C'était prévisible, hein, qu'il allait switcher son Mélofée. Et là, c'est une grosse menace, hein, qui vient de tomber. N'oublions pas que Rhinastock tape comme un porc. Toujours bon à savoir. Un adversaire qui va devoir certainement remettre sur le terrain le brave Mélofée, qui sera sacrifié, je pense. Je pense que oui, mais elle est trop basse, hein, la musique, peut-être. Ok, alors du coup, on va regarder un petit peu. Quitter le mode plein écran. Et m'excuser un petit peu par rapport à ce qui se passe. Ah voilà, la musique est trop basse. Pour le coup, on m'a annoncé. C'est bon comme ça? Parfait. Là, la musique est bonne, hein. Elle est juste comme il faut, c'est nickel, merci. Alors ici, ce qu'on va faire, hein. On peut partir sur éclat magique. Attention à Pelipper, on peut y aller. Ah oui, je peux plus faire de part ici ou autre. Alors, ok, on va remettre éclat magique. Ici, la foudre J-Max qui peut être lancée. Ouais. L'adversaire qui devrait partir sur abri, je pense. À moins que ces derniers. Ah, ben voilà. Ça, c'est génial. La paralysie. Oh, hydrocanon avec la pluie. Ah, oh, ouais, le chaos. C'est un coup critique, je pense. Ah, même pas. Ça a suffi à mettre à terre notre brave Pikachu. Malheureusement. La musique est toujours là. Hein. On est d'accord. Hein. Parfait. Ouais, attention, le coup critique, je pense. N'oublions pas, hein, qu'on a 50% de chance de crit. Avec notre Kiss. Un adversaire qui est avantagé, hein, c'est certain. Florizarre qui va faire son apparition. Alors, la Disto est toujours là, elle est toujours posée. Pour deux tours. On peut repartir ici sur éclat magique. Et là. Et bien là, étant donné qu'il y a cette fameuse Disto. L'adversaire pourrait très bien venir chercher avec vent violent notre brave Florizarre. Florizarre, hein, qui est beaucoup plus rapide que son Pelipper, qui est le Dynamax finalement, juste pour la forme. On va s'abriter, hein, là derrière. Puisqu'il y aura le Max Air qui va sortir. Ah non, c'est éboulement. Ah, finalement, on se. Oh là 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 là. Ah, pas d'esquive, malheureusement. Les dégâts sur Kiss. La Pelipper, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il part sur Aeromax, Max, forcément. Ah, les dégâts sont là, hein. Les dégâts sont là. L'adversaire qui, normalement, est plus rapide que nous. Donc, ça veut dire avec la Disto. On devrait pouvoir passer devant. Et là, on fait le KO, hein, évidemment. Pas de coup critique. Mais le KO sur. Eh bien, le Pokémon adverse.
provoque, qui n'est plus, ne fait plus effet. Donc ici, on va pouvoir rediriger tout ça et endormir le dernier Pokémon de l'adversaire. Ah, c'est Melofé hein, qui est déjà mal en point. On peut rediriger tout ça. Ah non. Attendez, on va partir sur Sludge Bomb. Ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait par ici, c'est ça? Ouais, je crois que j'ai fait ça. Ouais, c'est ça. J'ai fait par ici, je pense. Attendez. Je pense que c'est ça, hein. Ouais. Pour rediriger le max vol. De manière à permettre ici. Le Cryomax. Ah ouais, forcément, le Cryomax efficace sur les deux Pokémon. Ici, il se fait plaisir, hein, le Pelipper. Mais notre Kiss qui tient bien. Ah, il change la météo. Et là derrière, on va pouvoir faire Bomberk pour achever le Melofé. Le KO hein, qui fait plaisir. Attention Kiss hein, qui va devoir tenir. Mais là, le Pelipper qui est très très mal en point. Hein. Le brave Béquipon adverse qui essaye de survivre tant bien que mal. Les dimensions qui reviennent à la normale. Et ici, on peut simplement finir la game avec par ici et derrière, bien entendu, le Bomberk ou alors Poudre Dodo pour assurer tout ça. Mais ouais, on peut endormir. Je pense pas qu'on fait le KO. Il y a beaucoup trop de PV. Je pense pas vraiment que le KO sera possible. Du coup, on va assurer tout ça. Au pire, on perd. Ah ben voilà, il fait garde au max. Ah oui, mais c'est vrai en fait. Ah oui, il essaie de me voir mourir. Il veut me voir mourir avec. Avec la grêle. C'est vicieux, hein, mais c'est efficace. Ah oh, purée, je pense que ce sera suffisant pour achever notre brave Pokémon. Ah ouais, c'est suffisant, effectivement. C'est malin. J'espère qu'il n'espère pas gagner hein, comme ça. On va pas pouvoir récupérer un peu de vie, malheureusement. L'adversaire qui va perdre évidemment son G-Max. Là derrière quand même on s'en sort bien puisque. Enfin son G-Max, son Dynamax. On s'en sort bien parce que bah, visiblement. Ça a été bien mené de bout en bout. L'adversaire qui est malin, mais ça ne suffit pas ici, puisqu'on a vraiment fait le lead qu'il fallait avec Pikachu qui a fait le taf. Et ça c'est tout bon. Il a déjà fait garde au max, donc ici on va pouvoir le finir gentiment avec Bomberk. Et donc voilà, il voulait simplement se faire plaisir en achevant quelques Pokémon. Enfin, à l'instar de notre brave Kiss. Qui l'aura emmerdé hein, jusqu'au bout. On a du contrôle. On a des Pokémon qui tapent derrière. Et ça dérange. C'est ça qu'on veut. Allez, prochain combat. Je vous promets pas de gagner tout le temps. Hein. On gagne 1000 places à chaque fois, c'est beau tout ça. Mais il y aura le retour à la réalité à un moment ou un autre, je vous préviens. Parce que ça joue bien. En face, comme souvent. Alors le 11 millième, ça veut strictement rien dire. Alors il y a le poseur de glace. Ouais, on peut partir sur Chartor, hein, je pense. Ouais. Ouais, je pense que c'est intéressant. Ouais, on peut partir avec un lead comme celui-là. Ou alors. Attendez. Non, il n'y a pas de farceur en face. On peut partir sur la redirection. Est-ce que Pikachu. Non, pas Pikachu. Non, on oublie Pikachu pour ce match. Ouais, ok. On peut partir où on n'a pas beaucoup de crainte à avoir si on part sur Floriza et Chartor. On lead. Ou alors. Ouais, parce que Dragapult sera là. Ouais, Dragapult sera certainement envoyé. Alors peut-être. Ouais. Et derrière en couverture, on peut partir sur le Kiss. On fait l'Inferno peut-être.
Ouais, fait l'inferno. Et le dernier, peut-être oui, messire. On pourrait prendre le messire en fait. Hein. Ou alors Kiss. Je pense que Kiss est le meilleur choix. Alors, pas évident du tout. On va dire. De pouvoir, on va dire, affronter, enfin, pour affronter cette équipe, le choix n'a pas été des plus faciles. Et donc, c'est parti. Bonjour YouTube, bonjour à tous, bonjour et bienvenue, évidemment, pour assister à ce combat que je pense vous proposer sur YouTube, simplement. Donc ici, on va affronter un adversaire, on va dire, de qualité, et tout ça avec notre nouvelle équipe. Ah ouais, le lead intéressant, hein, ici. La personne évidemment de Ferré Inferno accompagné de Dragapult, c'était un excellent lead si vous voulez mon avis, puisque eh bien là on a placé le Ferré Inferno qui va pouvoir profiter de sécheresse. N'oublions pas que ici on a chlorophylle, hein, ce qui permettrait à notre brave Florizarre de pouvoir se faire plaisir. Donc, ici évidemment on ne peut pas faire grand chose. On peut partir sur éruption, poudre de dos, de manière à calmer un petit peu les ardeurs de Félin Inferno. Est-ce qu'il va s'abriter? Dragapult qui... Oh, ok, on endort tout ça. Attention à Dragapult, hein, qui pourrait avoir une réponse assez vénère. Et la danse Draco, évidemment, pour passer devant. Eh oui, on monte un cran en attaque et en vitesse. Attention, ça risque de faire mal. Partir sur éruption. Est-ce qu'on passe devant le Dragapult, hein? Pas certain. Ouais, les dégâts sont là, hein, les amis. On repart encore sur éruption. Et encore une poudre dodo des familles. Et après, derrière, on va dynamaxer, on l'espère. Allez, pas d'instant réveil. Hein. J'espère qu'il prend son tour de sommeil une fois de plus. Est-ce que un seul danse Draco suffit? Eh bien, oui, dit-il. Et derrière, il va dynamaxer. Alors ici, deux possibilités. Soit il va chercher directement le KO sur notre brave Florizarre qui n'aura pas dynamaxé et qu'il est, enfin, il faudrait qu'il soit plus rapide, ce qui sera probablement le cas malheureusement. Mais de toute façon, il prendra ses dégâts sur éruption, hein, quoi qu'il arrive. Donc on le met un peu dos au mur. Ok, on est plus rapide, poudre de dos. Alors, ici Dragapult certainement va dormir. Et voilà, le sommet également sur... le Pokémon en face, à savoir Félin Inferno également, et l'éruption qui va faire des merveilles. On va continuer, hein, puisque ça se passe très bien. On va pouvoir dynamaxer et partir sur Toxicomax. On va achever, hein. Ouais, on va achever de manière à ne pas avoir de soucis à ce niveau-là. L'adversaire qui pourrait très bien switcher, et il ne le fait pas, puisqu'on dynamax directement derrière. Donc on aurait pu complètement rater, hein, notre Seismomax, puisque il suffirait qu'il fasse un switch sur un Pokémon vol, et ce serait vraiment dommage. Évidemment derrière, Seismomax, qui va booster notre Florizarre en défense spéciale. Alors n'oublions pas que l'adversaire tape surtout sur le plan physique. Il a déjà pris son premier tour de sommeil. Et voici son deuxième tour. Derrière, évidemment, il va devoir se prendre une éruption de qualité. Ouais, c'est qui fait le chaos, évidemment. Attention, là pour l'instant on est vachement bien, ça inutile de vous le dire, mais je tiens quand même à le souligner. Impossible pour nous maintenant de pouvoir poser le sommeil, par contre on a largement l'avantage ici. Attention toutefois, puisque l'excès de confiance pourrait et de zèle pourrait nous être préjudiciable. Donc alors c'est parti pour canicule peut-être, puisque certainement qu'on va prendre un séisme. Éruption, ouais on peut partir sur canicule. Et ici derrière, ah oui, on pourrait très bien s'abriter, puisqu'on peut taper l'adversaire qui va s'exciter sur Chartor. Je pense que c'est le meilleur choix, effectivement. Derrière, on pourrait très bien partir sur Toxicomax.
Ouais, Toxicomax. Non, on va mettre une pression hein, sur la forme Gigamax, certainement. Ah non, c'est un forfait. Et donc, une victoire qui certainement sera proposée sur YouTube. Et donc, voilà, 4-2, magnifique victoire. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Hein. Simplement, il suffit eh bien, de mettre des pouces, hein, de partager. Hein. Vous pouvez m'écrire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà, portez-vous bien. C'est vraiment un plaisir de pouvoir justement vous compter parmi nous. N'oubliez pas, hein, sur Twitch, je fais régulièrement des lives, hein, souvent les mercredis, de temps en temps vendredi et surtout samedi, on se retrouve pour combattre. Hein, donc les combats vous attendent, donc vous pouvez m'affronter, il n'y a pas de souci également. Sentez-vous libre, et je vous donne rendez-vous, portez-vous bien, hein, et surtout, gardez la forme. À très bientôt, allez, sayonara, ciao ciao. C'était pas un lead facile. Hein. Ah ouais, parce qu'en face, t'avais un contre parfait, mais c'est ça qui est beau. Salut compagnon, tu viens de me réveiller. Hein, je viens de te réveiller avec ce live. Ah, j'espère que t'es pas malade, hein, pour le coup. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Non, tu viens pas du tout Dark à la fin. Je suis plutôt dans le début de live, donc ça tombe bien. Comment tu vas depuis le temps? Alors, il faut que... Ah ouais, 4 millième. Aïe, 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 on a gagné quasiment 2000 places. Et ici, ça promet d'être compliqué. Est-ce qu'il y a des farceurs? Ouais. Est-ce que le persian d'Alola est un farceur? Je pense pas, hein. Ok. D'accord. Ok. Alors ici, je pense qu'il sera là. Hein. Il y aura la disto. Hein. Ça c'est quasiment certain. Ouais, c'est quasiment certain. Il pourrait même partir sur le dragon, qui pourrait très très bien être gênant. Ouais, ce lead ici peut être ça va être compliqué hein, quand même. Ouais. Ouais, on va partir sur Kiss. Ouais, on va partir sur Kiss et Pikachu en lead. Derrière, on va prendre Floriza pour assurer les arrières. Et il me faudrait un Pokémon pour pouvoir résister. Oh là là, est-ce que je prends Felinferno ou Charthor? Ah, c'est là que c'est compliqué, les amis. Felinferno ou Charthor. Oh, aïe, aïe, aïe. Ok, on prend Charthor, hein. Ouais, on prend Charthor. Aïe, 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 j'ai laissé quand même faire l'inferno à la maison. Ok, on va essayer de faire ce qu'on peut. Aïe, place au combat, les amis. Ah, d'accord, j'ai eu peur. Bah, moi, ça va en tout cas. La forme copieur de Florizarre. Ah oui, hein, j'ai retenu la leçon, hein, ton Florizarre qui avait fait du sale. Mais c'est un bon Pokémon. Hein. Donc, je ne me gêne pas de l'utiliser. Voilà, Persian et... Et Goudra, attention, là c'est assez spécial comme lead, ouais, parfait pour lui, du coup. Alors ici, évidemment, le but c'est placer notre brave Pikachu, ou alors... Ouais, je pense qu'on va faire ça. Alors, on va donc partir par ici. Derrière, Pikachu va pouvoir... Est-ce que je ne ferai pas avec la magique? Ça me donne envie. Mais non, on va d'abord prendre l'avantage de la vitesse en allant chercher Persian. Et encore avec Pingoléon, je défonce. Je défonce tout. Mais ça, je crois. Dit. Allez, c'est parti pour le Dynamax, de manière à prendre l'avantage. Hein. Pas certain que ce combat soit bien mené, mais on fait confiance à notre Pikachu national. Pikachu, le leader de notre équipe, qui pour l'instant fait son taf.
Ah oui, le Dynamax évidemment, hein, qui sort également en face. Est-ce qu'il s'agit de Persian? Certainement Goudra. C'est Miplodocus hein, qui va Dynamaxer, bien évidemment. Attention, attention ici à ce premier tour. Ouais, le bluff, hein. Ah mince, le bluff sur Kiss. Derrière, évidemment, on va paralyser en espérant que cette paralysie empêchera le Goudra de se placer. Attention, ceinture de force qui fait encore des siennes. Évidemment, pas de redirection. Simplement la paralysie pour espérer garder notre Pikachu en vie. Ah, la paralysie qui fait mouche, c'est par... Ouh, le Dracomax, j'ai rien dit. Ah, il s'en fout. Il en a que faire. Oh, Pikachu qui tient. Pikachu national qui fait son taf. Alors, je pense qu'ici, ouais, cela, sans doute, n'est pas une surprise, hein, si on se passe de Pikachu pour ce tour-ci, de manière à faire éclat magique. Ouais, évidemment, derrière, hein, il y a bluff, hein, donc du coup, l'adversaire, ouh, j'aurais dû frapper pour le coup. Ok, on a encore droit à un tour. On part sur Gardomax, en espérant ici pouvoir placer un coup critique des familles. Ce ne sera pas le cas. Goudra qui prend quand même le critique. Ouais, il est paralysé, hein, ça fait deux tours de suite, pas de chance pour l'adversaire. Pikachu qui va pouvoir ici peut-être réagir. L'adversaire qui certainement va partir sur une distorsion des familles. Alors ici, deux possibilités. Soit je tente le bâillement. Mais non, on va frapper, hein, les amis. On va frapper. Ouais, Phytomax pour le gazon, pourquoi pas. Ah, il retire. Ok, d'accord. Je ne comprends pas ce choix de l'adversaire. Ok. Attention, hein, attention. On se débarrasse du brave Persian. Et ici derrière, Goudra qui va frapper. Hein, ça c'est sûr, ça fait deux tours qu'il n'attaque pas. Le coup critique ici qui passe. On n'a pas fait de redirection. Et Toxicomax pour se booster. Et finir notre brave Pikachu. Ah non, même pas. Même pas. Il s'occupe de Togekiss. Attention, attention, ah, il fait l'Inferno hein, qui devait faire son entrée en jeu. Alors, oui, avec son talent Intimidation, évidemment, qui est de sortie. Et là, on perd notre forme Gigamax. Pikachu qui aura fait du très très bon travail, les amis. Et derrière, l'adversaire également perd, de toute évidence, sa forme. Attention à bluff, hein. Il pourrait très bien bluffer, comme souvent. Ouais. On va partir sur abri. Le mieux, c'est d'augmenter la défense et la défense spéciale. Ah bon. Tu parles sur quel Pokémon... Enfin, c'est sur quel Pokémon tu vois ça. Ah oui, c'est parti sur bluff. Évidemment, on se protège, les amis, de manière à ce que Pikachu ne puisse pas se faire avoir. Oh merde, j'aurais dû attaquer avec éclat magique. Grosse connerie de ma part. Ah oui. J'aurais dû frapper. Je pensais l'avoir fait, pourtant. Alors, pas de Charthor. Hein. Une erreur, hein. Une erreur de ma part, ça peut arriver. Malheureusement, j'espère que ça ne me portera pas préjudice. Tour de dos des familles. Pikachu derrière qui va pouvoir... achever l'Incineroar. Oh là là, j'aurais vraiment dû partir sur éclat magique, hein, les amis. Ah non, je demande. Alors, le mieux, c'est d'augmenter la défense ou la défense spéciale. Tout dépend hein, du Pokémon que tu comptes utiliser. Vraiment. C'est sur Miplodocus. Je pense que c'est la défense physique. Enfin, moi, je le ferai ainsi, puisque c'est surtout sur ce plan que ça pêche hein, pour lui. Attention, il a qui derrière ? Ouais, il a...
parce qu'il a une excellente défense, hein, je tiens à le rappeler. Une excellente défense, que je dise pas de bêtises. Une excellente défense spéciale de mémoire. Muplodocus, donc voilà. Alors Muplodocus avec Tonnerre, oui. Tonnerre, ouais, c'est ça, ça fait mal. Si évidemment on va se débarrasser de Félin Inferno. Ah oui, Cradovac des familles, on se protège. Derrière évidemment ça, on va dire, on ne dit rien, mais attention au coup critique, hein, qui pourrait toujours permettre à l'adversaire de se faire justice. Là évidemment on garde notre Pikachu en vie, puisqu'on sait que derrière il y a le Jellicent, à savoir Moyade en français, qui est déjà bien amoché, hein, les amis. Et donc ici, on va partir, hein, sur cette attaque, hein, Telluriforce. Derrière, Regieforce est tout à fait possible chez l'adversaire qui se protège. Attention, hein, attention pour Telluriforce qui certainement ne... Ouh, quelle défense spéciale de monstre. Un 8 tonnerre, hein, qui ne passe pas. L'adversaire qui peut frapper, ouais, qui va frapper certainement avec ici Cradovac une deuxième fois. Hein, il a été paralysé 3 fois de suite, hein, au préalable. Pikachu qui meurt là-dessus. Malheureusement, notre brave Pikachu... Attention, ça commence à être un peu tendu, hein, tout ça. Donc on va essayer quand même de gagner ce combat qui se complique. C'est sûr. Allez, poudre de 2 des familles. Derrière, on part sur une éruption. Ah non, on va partir, pardon, sur un lance-soleil de qualité. Ah, il faut absolument endormir ce Pokémon. C'est chose faite. Le premier contrat est rempli. Attention à Muplodocus, hein. Muplodocus derrière, qui peut toujours frapper et faire très mal avec son attaque Cradovac, ou alors Okroupi. Okroupi qui peut baisser la précision de notre Pokémon Charter. Allez, pas de drop en termes de précision. Charter qui va pouvoir se débarrasser du très gênant Jellicent. Oh là là, qu'est-ce qu'il est résistant, les amis. Oh là là, en plus de ça, derrière, on récupère avec Bécitrus. Attention, hein, le combat qui est loin d'être fini. Une résistance de porc, hein, que nous propose ici Jellicent. Hein, on peut très bien perdre, hein, cette game. Attention, c'est tendu. Mais quelle résistance, Jellicent qui dort. C'est de bonus, enfin c'est... Oh là là, il continue. Oh, Florizarre qui esquive, oh, j'aurais préféré que ce soit Charthor. Oh, attention au drop, attention au coup critique. Oh, c'est tendu les amis. Oh, le drop de précision, s'il vous plaît. Est-ce qu'on rate? Eh, l'esquive, peut-être, attention. Allez, il faut réussir. Ah, ok, on touche. Est-ce que ça suffira? Oui. Attention, il essaye, hein, le chaos avec Cradovac. C'est tendu, les amis, c'est tendu. Ce Pokémon qui à lui tout seul a dominé durant toute la game. On part sur Canicule en espérant ne pas whiff notre attaque. N'oublions pas que Goudra peut attaquer juste derrière et nous buter complètement. Ah, il faut le tuer. Non, c'est pas possible. Il est paralysé. Eh bien, jusqu'au bout, les amis. Jusqu'au bout. Ce fut tendu, vraiment. Et là, on a assuré avec Canicule, qui n'était pas précis, c'est sûr. Une attaque très, très peu précise. Mais derrière, on ne pouvait pas non plus, on va dire, lancer éruption. Vu le peu de PV que l'on avait. Du coup, on ne pouvait pas assurer le kill. Et là, il fallait absolument se débarrasser de Goudra, qui nous aura fait trembler. En tout cas, ce sommeil, hein, qui était là. Écoute, j'ai envie de dire que je l'ai provoqué, hein, cette chance. Ouh. Bref, je me remets un petit peu de mes émotions. Ok, allez, on passe à la suite.
pas certain qu'on s'en sorte autant pour le prochain combat. Ok. Alors, oula, numéro 391, ça commence à monter haut. Est-ce qu'on sera à la hauteur? Ça, il faudra. Oh, Oratoria, oula là là là, il y a déjà un farceur. Hein, donc, il y a déjà un farceur. Oui, Messia, certainement en lead. Alors, ici, c'est une équipe très solide, hein, vraiment. Il y a tout ce qu'il faut, hein, il y a tout ce que je déteste, surtout. Et là ça risque de faire mal, les amis. Hein, faut pas se mentir. Avec du Mimiki, du Oratoria. Ouais, c'est solide. Alors, oui, messire, qui va faire son taf hein, d'empêcher au farceur de se placer. On pourrait très bien partir sur Felinferno en lead. Qui pourrait faire mal dans cette game. Et derrière certainement Tonton Flory qui sera là. Alors Chartor. Chartor, oui ou non. On va partir sur Kiss. Ok, allez, c'est parti. Pas certain. Celle-ci est une équipe, on va dire, vachement embêtante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Très bordé de nouilles. Oh, sacré Dark. Toujours le mot pour rire. Attention, hein. Attention toutefois à cette entame de match décisive. Ok, je pense que là, c'était tout à fait prévisible ici. Hein. L'adversaire qui va être embêtant. Hein. Il y a du ténèbre en face. Ah oui, le acharné évidemment qui s'active. Il va pouvoir dynamaxer derrière. Alors. Alors. C'est mal barré déjà. Hein. Faudra trouver un moyen de contrer ça. Et ça va être compliqué. Hein. On va partir sur par ici de toutes les façons. Si je bluffe, il me bute certainement. Ici boosté. Allez, on va. Ah ouais, j'aurais dû faire peut-être coup de main, mais voilà, on va essayer de le surprendre. Il va dynamaxer en premier. C'était prévisible. On va essayer de rediriger du mieux qu'on peut. Derrière, je dynamax, hein, sinon je ne vais pas pouvoir le retenir. Hein. Acharné l'a permis de se. On va dire de se mettre à plus 1 en attaque. Et c'est pas bon, hein. Je pense que là. On va devoir trouver les réponses avec Felinferno ici. Ouh là là, des palpitations hein, les amis, parce que là clairement, faudra trouver vraiment des réponses. Hein. On part sur max feu, mais derrière on redirige tout ça. Est-ce que ça sera suffisant? Je ne pense pas. Attention quand même à Wim qui peut évidemment faire coup de main. Et là derrière on perd notre Wim, hein, c'est certain. Notre oui messire. Aïe. Est-ce qu'on va achever l'adversaire? Ouais, il part sur Pugilo. Ouais, les dégâts qui sont importants. On redirige hein, une attaque qui était destinée à Felinferno, certes. Et c'est parti pour Pyromax hein, qui ne tuera pas. Hein, qui ne tuera certainement pas le soleil qui est là hein, en notre faveur. Est-ce que ça sera suffisant tout ça?
reste à savoir. C'est parti pour Florizarre, qui va pouvoir peut-être ici faire son travail. Endormir ici et frapper à gauche. Attention hein, au vent arrière hein, qui peut faire le taf. Tonton Flory hein, qui va faire son taf. En tout cas, on compte sur lui, hein, sur le poudre de dos ici, qui pourrait être déterminant dans cette game. La poudre déterminante, la poudre providentielle. Et vent arrière hein, qui était tout à fait prévisible. Est-ce que ce dernier va pouvoir passer devant? Non, ce sera pas le cas, sans compter sur la vitesse, on va dire dont on ne fait plus l'éloge, dont on n'a pas besoin de faire l'éloge ici. Pas d'instant de réveil. Derrière, on va pouvoir évidemment frapper avec Fel Inferno, bien évidemment. Fel Inferno qui va achever ici, je l'espère en tout cas. Le Pokémon de type acier ténèbres. Pas d'instant réveil. De toute façon, on espère hein, qu'il n'y aura pas de réveil pour le deuxième tour. Ici, on parle pas d'instant de réveil, c'est sûr. Puisque le premier tour gratuit hein, de sommeil, il l'a eu. Et là, tout est tout à fait... on va dire, c'est du 50-50. Il pourrait très bien se lever. Ici, Écosphère hein, qui part sur Florizarre. C'est l'attaque de désespoir, le coup critique du désespoir. Derrière, évidemment, on va achever Wim, hein, qui a déjà fait son travail de faire vent arrière. Allez, attention, ça va se jouer sur ce tour-ci. Oh, le sommet qui fait plaisir, les amis. Et derrière, évidemment, Pyromax, hein, qui va achever. Allez, pour l'instant, c'est une bonne plaie. Hein. Une bonne plaie de notre part. Attention derrière, hein, y a encore deux Pokémon adverses qui peuvent encore tout changer. Ouais, Oratoria qui est présent, hein, c'était tout à fait prévisible. Attention toutefois, Dragapult. Oratoria. Dragapult. Du coup, il faudra vraiment pas se tromper les amis. Dragapult extrêmement rapide hein, qui peut toujours changer la donne. Ici derrière hein, on pourrait très bien partir sur du Dark Laria. Alors ce qu'on peut faire, c'est partir sur Poudre de dos sur Oratoria ou alors Bomberk. Non, on va partir sur Poudre de dos. Qui on va calmer? Qui est dangereux? Qui est dangereux ici? Je pense que c'est Dragapult. Dark Laria. Ouais, on va partir sur... On va se débarrasser d'abord de Dragapult. Oh, attention. Ouais, Dragapult, évidemment. Dragapult, hein, le plus dangereux, hein, qui le montre ici, qui est plus rapide, hein, malgré le soleil, que notre Florizarre. Attention à Mégaphone, qui est du coup de type eau. On va pouvoir se booster derrière, évidemment. Grâce à Vulné Assurance qui est activé. Fait l'Inferno qui fait son taf derrière. Attention derrière évidemment le Dark Laria qui va sortir pour la première fois. L'attaque signature du chat national. Et le chaos évidemment sur Dragapult. Togekiss qui va ici nous permettre de temporiser un petit peu hein, toutefois attention quand même on peut pas faire dernier mot si on peut partir sur la boute de feu. J'ai pas abri hein, sur notre Fel Inferno. Ah et attention à Hydrocanon. Oh là là, on donne tout. Attention à cette attaque. Est-ce que Fel Inferno va tenir grâce au soleil? C'est le cas. Ouais, bâillement ici qui pourrait être déterminant pour la suite du combat. Boute de feu, on donne tout ce qu'on a, bien évidemment.
Oh là là, oh les dégâts. Oh les dégâts, les amis. Évidemment, on fait l'Inferno qui aura tout donné, hein. Qui aura été jusqu'au bout à la hauteur. N'oublions pas, hein, que l'adversaire, évidemment, somnole. Oh les dégâts. Les dégâts de Fait l'Inferno. Qui a vraiment frappé, hein, grâce à Vulné Assurance, hein, n'oublions pas. Et le soleil étant présent, ça fait des chocs à pic. Et derrière, évidemment, éclat magique en espérant ne pas connaître. Voilà, deux coups critiques. Et c'est une victoire. Une victoire de qualité, je pense. A fait l'Inferno qui aura été magistral. qui a été vaincu. C'est pas sans peine, hein, ça n'a pas été du tout évident. Mais mes Pokémon l'ont fait, ils ont été à la hauteur. Allez, on va poursuivre, hein, sur cette lancée, bien évidemment. Le dernier combat. C'est parti donc contre le 3000ème. Attention, ça ne veut strictement rien dire. On va se focaliser, hein, une loupe, hein, sur l'adversaire qui va jouer assurément sur la disto. Ouais, c'est de la disto. Pure et simple, avec des Pokémon très gênants. Il y a un farceur. De toute façon, ce sera Whim en lead. On peut partir sur Florizarre peut-être. Ouais, Florizarre pourrait très très bien commencer ce combat. Mais attention quand même à Fait l'Inferno, hein, qui sera, je l'espère, pas en lead. Mais c'est tentant. On va partir sur Florizarre, hein, les amis. Florizarre qui pourra toujours faire son travail. Et en couverture, on peut partir sur Kiss. Et Fait l'Inferno. Attention, il y a un Kiss en face également, hein, donc c'est très bien de le souligner. On peut partir sur Fait l'Inferno. Attention, l'adversaire qui savait déjà, hein, ce qu'il allait jouer. Place à l'action, les amis. Pour le dernier combat. J'espère qu'on aura une fin heureuse. Aïe. Évidemment, hein, c'était tout à fait prévisible. Hein. Donc voilà. Il y a Terraclope, hein, qui va faire son taf. De poser évidemment cette distorsion qui sera assez gênante. Adversaire, on peut pas, ouais, on peut évidemment pas le toucher avec une attaque. Ici, on peut partir sur Kiss. Ouais, on peut partir sur Kiss. Plutôt que Félin, ouais, on peut partir sur Kiss. Ici, derrière, on va donc endormir le Terraclope, de toutes les façons, qui est là pour poser toutes les distos et tout ce qu'il faut. Et nous, ça ne nous arrange pas des masses. Ouais, mur lumière, évidemment, qui est posé. Ouais, évidemment, on rate, hein, évidemment, la poudre de dos. Sur éclat magique ici. Si on peut taper, hein, je pense. On va voir un petit peu derrière ce qu'il y a. Ouais, on peut y aller, hein, les amis. On peut dynamaxer.
et lancé Toxicomax. De manière à placer notre Florizarre, hein, qui ne craint pas grand-chose, hormis le fait que nous sommes extrêmement lents, puisque Distorsion a été posée. Donc l'adversaire va frapper en premier. L'adversaire qui fait provoque, évidemment, de manière à ce que nous ne fassions pas bâillement ou autre, Ombre Nocturne. Qui va très bien être tanké hein, par Florizarre qui a dynamaxé et donc doublé ses PV. Derrière, éclat magique des familles. Bouton de fuite. Aucune idée. Si, si. Ah, Félé Inferno qui est là, évidemment. C'était prévisible. Inferno qui a été choisi pour le coup. Hein. Attention. Ici derrière, Félin Inferno qui pourra faire extrêmement mal à notre Florizarre au tour d'après. Oh là là, il tank vachement bien sur le spécial. C'est incroyable. Évidemment, je ne peux plus faire par ici à cause de provoque. Chose qui dérange. Hein. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est switcher sur Wim et ici partir sur Gardomax. Puisque Kiss ici ne sert pas à grand chose. Et au tour d'après, ah ouais, l'adversaire qui va dynamaxer, bien évidemment, hein, une question de frapper hein, le plus fort qu'il peut, enfin, une manière vraiment à faire extrêmement mal, c'est certain. Félin Inferno qui est dynamaxé. Attention, ça risque de faire mal. Il veut assurer le chaos sur Florizarre qui peut être gênant puisqu'il est à plus 1. N'oublions pas, nous sommes à plus 1 en attaque spéciale. Attention à Pétisol de manière à activer Weakness Policy de l'adversaire. Aïe, 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 une assurance, hein, autrement dite. Ah, c'est gênant les amis, c'est gênant. Là on est mal, on est très très mal. Pyromax qui pour l'instant est barré, est contré, pardon. Derrière on va faire par ici. Sismomax, est-ce que ce sera suffisant pour se débarrasser du gros matou? Ok, on retire le Terraclope et derrière évidemment le Pokémon combat qui est là également, qui va profiter de la disto. Attention hein, l'adversaire qui va attaquer en priorité. Attention à Pyromax hein, qui était destiné à notre brave Pokémon. Et là le chaos sur Wim qui aura fait son taf. Le soleil qui est là. On est plus rapide hein, on va perdre encore ici on va dire en vitesse hein, à cause de simplement la distorsion. Est-ce que ça suffira? On est à plus 1, je le rappelle. Ah non, bien sûr que non. L'adversaire qui est bien dans sa guêpe, hein, c'est sûr. Alors, on aurait dû partir sur Félin Inferno. Erreur de ma part. Partir sur par ici. Une assurance et d'un côté, voilà, oh pas évident du tout hein, ce qui se passe. Essayer d'endormir le chat, fait l'inferno. Espérons pouvoir y arriver, hein, les amis. Le par ici qui sort. Attention, hein, attention à Pyromax. Oh les dégâts, oh les dégâts. Kiss qui ne va pas tenir malheureusement. C'est dommage. Ah oui, Vulné Assurance, hein, n'oublions pas. Ok, l'esquive de Florizarre. Poudre Dodo qui passe. Ok, les dimensions redeviennent
revienne à la normale. Elle fait l'inferno qui est vraiment menaçant en face. Hein. Ça, il faut le souligner. N'oublions pas qu'il y a Vulné Assurance. Ok, on va partir là-dessus. Je ne sais pas vous dire hein, si c'est un bon play de ma part. Oh, c'est un bon play. C'est un bon play, les amis. Ouh, ça fait plaisir. Ouh, heureusement qu'on a tapé sur le fait l'inferno. Pas certain que c'était le bon choix de ma part. N'oublions pas que l'adversaire, hein. L'adversaire peut vraiment, on va dire, ici s'appuyer sur ces Pokémon hein, qui sont là. Ici évidemment, aïe 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 aïe, je ne suis pas content de pouvoir voir arriver comme ça en Goliath de nouveau. Le poseur de mur. Non, je crois qu'il a farceur. Celui qui avait fouille, c'était le Terraclope. Attention à bluff. Attention à bluff. Oh, le coup critique n'était pas nécessaire, s'il vous plaît. Le coup critique qui n'était pas nécessaire. Est-ce que le soleil est là? Je pense pas. Ah, on fait pas le chaos. Attention à l'éboulement, les amis. Ah, Vampipoint plutôt. Oh, les dégâts. Et là, on perd fait l'inferno. Et alors là, les amis, c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. On est dos au mur. Ouais, c'est terminé, hein, les amis, ici. Impossible pour nous de pouvoir l'emporter, c'est sûr. On va faire ce qu'on peut hein, pour gagner. Florizarre contre le monde. Et là, évidemment, mur lumière. Et là, il va se faire plaisir. Hein. Il a peut-être point de feu, même. J'ai envie de dire. Ah, même à plus 1, l'adversaire qui tient. S'il va pouvoir taper. Oh les dégâts. C'est pas efficace, mais il y a un coup critique, je pense. Le coup critique ici, qui met à terre toutes nos chances de victoire. Ah, et c'est une défaite, hein, une belle défaite. L'adversaire a bien joué. On n'a pas. Enfin, ouais, il y a eu, à mon avis, peut-être quelques erreurs, ça et là. Mais grosso modo, c'était un beau combat. Donc on termine le bilan aujourd'hui par 4 matchs, une défaite et 3 victoires. C'est pas si mal, en espérant pouvoir faire mieux la prochaine fois. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Si le tout vous a plu, n'hésitez pas à me suivre, à me follow, à partager. Et à très bientôt. Sayonara.